Hi everyone, it's Yonatan Parienti. It's a great privilege and pleasure to see you today. We are making, you know, like this this session in recording with some of the speakers that are joining us from Europe. We have, you know, like this session where we will be able to a channel into the depths of gender equality and initiative by multi-stakeholders, support and commitment to advance inclusion in gender equality aspect, and as well, you know, inclusion and diversity at all levels in society. So this exchange is going to be done and conducted in French. And I am switching just now to introduce our two speakers. Donc, bonjour Naïma Obonné, bonjour Christina Longhi. Nous sommes enchantés de vous accueillir au CIGEF Online et qui se déroule donc avec une représentation dans plus de 25 pays en retransmission live stream. Donc, simplement pour peut-être vous introduire très, très brièvement, nous avons le plaisir d'accueillir donc Christina Longhi, qui est une philanthrope, une femme engagée depuis plus de, on va dire, pionnière dans l'égalité des genres, fondatrice de l'association de l'ONG Arborus et pilote de cette initiative, cette charte pour l'égalité des genres dans la notion effectivement d'inclusion au niveau de la gestion par rapport aux enjeux d'intelligence artificielle. Donc, merci Christina de nous rejoindre et je souhaite également saluer la présence de Naïma Obonné, qui est la directrice sensibilisation et prospective à la diversité et inclusion du groupe Orange. Chère Naïma, vous êtes une personne engagée depuis maintenant, j'ai envie de dire, depuis l'ensemble de votre engagement dans les grands groupes. Vous êtes passée par le groupe France Télécom et vous avez gravi les échelons du groupe Orange pour en être aujourd'hui la directrice sur des enjeux qui vous passionnent, qui vous touchent à la notion de diversité et d'inclusion. Vous êtes responsable de la formation de plus de 140 000 employés au travers du groupe Orange, et également vous vous impliquez dans les thématiques qui touchent effectivement au soutien et à la lutte, notamment par rapport aux discriminations numériques. Donc, ce point pour nous, c'est un véritable plaisir de vous accueillir toutes les deux, et nous pouvons donc rentrer dans le vif du sujet qui est peut-être l'origination pour l'une comme pour l'autre. Christina, quel a été le déclencheur de cette volonté de réaliser cette charte internationale pour une IA, une IA inclusive? Alors, merci de nous donner la possibilité de nous exprimer lors du CIGEF. Bonjour à toutes et à tous. Donc, comme vous l'avez dit, Yonatan, Arborus a été créé en 1995 avec une vision d'un meilleur dont la pierre angulaire serait l'égalité entre les femmes et les hommes. Et donc, c'est le point de départ d'une grande aventure, puisque nous avons, au fil des années, bâti une méthodologie fondée sur une structuration d'une part et une évaluation d'autre part des politiques en matière d'égalité des genres, bien sûr, mais aussi de l'inclusion et des diversités. Et puis, il y a quelques années, sont apparues les problématiques des recrutements très inégalitaires fondés sur des algorithmes chez Google, Amazon notamment. Et donc, avec les entreprises labellisées autour d'Arborus et du label GIS, qui est donc notre outil majeur, nous avons pensé qu'il y avait véritablement un sujet important. Est arrivé autour de l'intelligence artificielle qui n'était pas inclusive. Est arrivé le confinement,
où on s'est mis tous à utiliser nos ordinateurs pour tous les actes de notre vie quotidienne et où des études aussi ont démontré que les femmes étaient très derrière finalement le mouvement, avec à peine 17% de femmes investies dans ces sujets dans les entreprises au niveau européen, avec des problématiques de partage des rôles, de vision, etc. Et donc, pendant le confinement, il nous est apparu tout à fait opportun de travailler sur ce sujet et de démarrer par une charte qui est un outil simple et de communication pour commencer à développer ce sujet et pour inverser un petit peu la tendance, pour faire que l'IA, qui finalement n'est que la représentation des inégalités culturelles et structurelles du monde, soit inversée et qu'elle devienne le levier de l'égalité que nous appelons tant de nos voeux et qui est pour nous la clé vers un monde plus équilibré. Et donc, c'est en partenariat avec Orange que nous avons démarré ce travail de charte. Merci Christina, merci de nous partager le fil conducteur qui nous a amené justement jusqu'à ce partenariat. Vous mentionnez il y a quelques instants le label GIS qui signifie Gender Equality European International Standard, donc qui est vraiment la première pierre angulaire du cadre que vous avez encouragé et qui se développe, qui a été adopté par un certain nombre d'acteurs à différents égards. Et donc, vous nous mettez en avant justement ce rôle de partenaire fondateur avec le groupe Orange. Et donc, cher Naïma Obonné, donc, cela me permet de venir justement à pourquoi cette volonté chez Orange de devenir un des piliers de ce partenariat qui touche aujourd'hui potentiellement toutes les entreprises de demain, avec cette volonté très prospective de vouloir justement s'inscrire en répondant dès aujourd'hui aux enjeux majeurs de donner à chacun et à chacune une chance équitable, une chance qui soit effectivement égale au niveau des genres, dans la capacité à s'inscrire dans la société, dans une réussite entrepreneuriale ou personnelle, ou d'acteurs à différents niveaux et à différents égards. Alors, avant de répondre à cette question, Jonathan, déjà d'expliquer que Orange est partenaire du fonds de dotation depuis 2011, est un membre fondateur du fonds, et ça nous a paru effectivement évident, comme l'a très bien décrit Christina, hein, à cette période extrêmement tendue, qui était complexe pour tout le monde, que ce soit des entreprises ou des particuliers, les enseignants, les artisans, tout corps de métier et membre de la société s'est senti à un moment acculé ou dans une situation en tout cas critique liée à l'usage du numérique. Et on s'est dit qu'on ne pouvait pas effectivement, au regard de toute la data qui était en circulation, se dire que il était possible qu'une partie de la population soit absente de ces actions, de ces innovations, sans que on soit capable d'y réagir ou en tout cas d'y contribuer de façon vertueuse. Alors avec une démarche d'une initiative encore une fois non coercitive, hein, puisque notre démarche n'est pas du tout dans ce sens, mais plutôt vertueuse, collective, en se disant voilà, on propose un cadre et de se dire de quelle manière est-ce que nous allons pouvoir, voilà, collectivement mettre à profit toutes les perspectives incroyables que l'IA nous permet et nous offre aujourd'hui. Parce qu'il ne faut pas y voir évidemment que des choses sombres ou dangereuses. L'IA, c'est tout de même un levier de développement et de progrès absolument considérable dans des domaines en plus extrêmement variés mais déterminants encore une fois pour notre société, que ce soit l'éducation, la santé, l'environnement ou l'industrie. Et c'est pourquoi il était vraiment essentiel que l'on puisse se dire que cette IA qui permet cette innovation et ce progrès soit conçue, déployée de manière responsable. On a vu hein, des cas, des exemples tristes de situations où l'IA a été justement source d'inéquité.
si je vous parle d'un grand acteur du e-commerce qui s'est retrouvé à arrêter l'intelligence artificielle qui utilisait à faire le tri dans ses recrutements parce qu'il cherchait à recruter des ingénieurs, et en fait son IA, sur la base des données qui étaient disponibles, retirait systématiquement les CV féminins. On a connu aussi tout ce qui était reconnaissance faciale avec des erreurs dramatiques entre des personnes d'une origine ethnique versus des animaux, en se disant bah l'IA n'est pas capable de faire cette distinction sur l'accord de plafond bancaire inférieur pour des femmes versus des hommes. Bref, les exemples sont pléthoriques, mais ce que je veux dire, c'est que il est important qu'à un moment, on soit en capacité d'inverser justement cette dynamique et de dire, pour éviter tous ces écueils et tous ces risques, faisons en sorte d'encadrer chacun de manière autonome et responsable, faire en sorte qu'elle nous offre aussi des perspectives incroyables pour tous les domaines, encore une fois, dans lesquels l'intelligence artificielle nous apportera beaucoup. Écoutez, chère Neyma, c'est très encourageant de vous entendre et de voir que dans un des groupes fleurons de l'industrie numérique française et donc européenne, nous avons donc cet enjeu déterminant, qui est un enjeu mondial, qui soit effectivement mis en ligne première de priorité. Alors, ma question pour vous, Neyma, serait, est-ce que au travers effectivement de votre parcours que vous avez pu opérer dans des grands groupes, est-ce que vous voyez aujourd'hui finalement une évolution qui fait écho justement avec l'innovation que vous portez dans votre groupe et également dans le cadre de cette charte? Est-ce que vous voyez finalement que les choses vont plutôt dans une direction encourageante, ou est-ce que vous pensez que nous devons encore rajouter peut-être des incitations, des motivations, des approches, des cadres supplémentaires pour véritablement que, à un horizon 2030, puisque les objectifs mondiaux de développement durable des Nations Unies ont cette prochaine date jalon, comme véritablement un calendrier que nous devons encourager pour atteindre certains objectifs et en tout cas essayer de réduire au maximum les écarts qui sont, comme vous le mentionnez, qui sont évidemment malheureusement indus. Alors, c'est un sujet complexe, hein, vous le savez. Certains diront que seule une réglementation permettra d'encadrer des dérives potentielles. Nous ne faisons pas forcément partie de ces personnes-là. Je pense que aujourd'hui, il est de notre responsabilité, à nous acteurs de l'intelligence artificielle, de nos responsabilités, de faire en sorte que nous soyons fiable, encore une fois, que nous soyons responsables dans la façon dont nous menons notre innovation dans les différents domaines de technologie qui sont les nôtres, mais je parle encore une fois pour les autres de la même manière. Je pense que on aura tout intérêt à être nous-mêmes de manière spontanée, encore une fois, transparent et fiable dans la façon dont nous menons, encore une fois, ces innovations, car si nous ne le faisons pas, justement, nous risquerons du coup d'être sous le coup d'une réglementation. Et là, je crains que l'innovation ne soit plus la même. Cette capacité de créativité et de tenter de découvrir et de déployer le champ des possibles sera, je pense, limitée. Et pour aller dans le sens de ce que vous évoquez, le GIS AI, qui effectivement a suivi, alors je ne vais pas aller trop vite dans l'histoire et Christina le développera, mais comme vous le dites, nous avons inscrit, nous, dans le calendrier que vous évoquez autour des ODD, le GIS comme un indicateur de l'atteinte de l'ODD 10, qui est celui de la réduction des inégalités, et celui-ci nous permettra justement de contribuer aussi par la preuve, grâce à cet audit et à ce label, de dire que Orange a pris cette initiative, encore une fois, de maîtriser, encadrer et de faire évaluer, en tout cas, les politiques mises en œuvre en son sein sur les sujets d'intelligence artificielle. Merci Neyma pour cette articulation.
Christina, vous qui êtes à chaque fois la cheville ouvrière des initiatives dans ce secteur si majeur depuis plus de 25 années, quel est votre regard par rapport à la manière dont les choses ont évolué et comment envisagez-vous justement la portée et la dynamique de cette initiative avec cette charte pour l'inclusion dans les enjeux justement d'intelligence artificielle? Alors, toute la démarche que nous menons depuis plus de 25 ans maintenant, c'est, comme le disait Naïma, on est dans une démarche très volontariste. C'est-à-dire que, bien sûr, je suis juriste, je ne vais pas dire le contraire, il nous faut un cadre légal, il nous faut des bases pour donner un cadre, justement. Mais ensuite, je pense que ce qui est très important, c'est que les acteurs soient conscients des enjeux, des challenges qui s'ouvrent à nous. Et là, au XXIe siècle, on en a trois, qui sont bien sûr le réchauffement climatique, mais les inégalités qui sont à la source de toutes ces problématiques de réchauffement climatique et l'intelligence artificielle qui, si elle n'est pas partagée entre les femmes et les hommes, va nous conduire vers un monde véritablement épouvantable. Donc, il est nécessaire que ces trois enjeux fonctionnent véritablement ensemble. Et donc, nous qui sommes très convaincus, et Naïma l'a particulièrement bien dit, parce que c'est aussi une source de créativité sur la conscience pour développer des actions exemplaires, nous allons évidemment dans le sens de la labellisation, parce que c'est sur la base du volontariat, et on voit à quel point les entreprises font beaucoup mieux que ce que la loi demande quand elles sont dans une démarche volontariste. Et chez Orange, par exemple, je disais tout à l'heure qu'on avait 17% seulement de femmes il y a en Europe, et on a chez Orange, je crois, 25% de femmes qui sont dans les filières de l'IA. Donc, on voit bien que quand on veut, on peut. Et donc, notre engagement avec cette charte, c'est de sensibiliser tous les acteurs du démarrage, de la conception même de l'IA jusqu'à l'utilisateur final, le prescripteur, le fournisseur, pour d'une part avoir cette conscience, pour pouvoir agir mieux et avoir de la data qui soit non discriminante et donc qu'elle soit inclusive, et puis pour avoir au sein d'un club que nous avons lancé en décembre dernier chez Orange d'ailleurs, tout un réseau d'entreprises, nous en avons plus de 120 à l'heure actuelle, qui travaillent ensemble, qui échangent sur leurs difficultés, parce que quand tout va bien, c'est facile bien sûr, mais quand c'est complexe, c'est là qu'on a besoin des autres, et pour qu'on crée une culture commune de l'IA inclusive, de l'inclusivité, des enjeux de l'égalité, et dans cette perspective des ODD de 2030, sur lesquelles nous sommes aussi très engagés, parce que nous pensons que l'égalité, c'est la base de toutes les solutions des problématiques de ce monde. Et écoutez, Christina, à vous écouter, on a un effet boost en termes de confiance dans l'avenir du monde. Donc, c'est plutôt favorable, c'est plutôt agréable. Donc, véritablement, à l'une et l'autre, déjà, je tiens à saluer véritablement cette approche de partenariat que nous qualifions effectivement de public-privé, qui est véritablement le fer de lance de la possibilité d'amélioration des principes de durabilité qui sont portés dans le cadre effectivement de l'agenda 2030 des Nations Unies. Et quand nous voyons effectivement le chemin qui reste encore à parcourir, bien évidemment, la vraie motivation, c'est une motivation par choix, par conviction. Et donc, je comprends véritablement, en vous écoutant, que c'est quelque chose aussi de motivant pour les équipes, d'adopter par choix, en étant proactif, des protocoles qui sont des protocoles ou des décisions qui sont cadres dans une direction, effectivement, d'amélioration de l'écosystème de vie, d'échange, de collaboration. Évidemment, c'est quelque chose qui est probablement l'un des vecteurs de solutions d'avenir. Donc, sur cette notion d'avenir, justement, à l'une et à l'autre, j'aimerais avoir votre sentiment sur quels seraient vos mots et votre vision
pour encourager justement les acteurs qui sont les acteurs entrepreneurs, les acteurs entreprises, groupes nationaux et internationaux et les pouvoirs publics à encourager davantage ces initiatives et notamment cette initiative précise et en particulier d'égalité entre les hommes et les femmes, notamment sur le vecteur d'intelligence artificielle, mais également plus globalement sur l'ensemble des vecteurs touchant au numérique et au-delà. Naïma, alors j'y vais. Écoutez, moi, je vais pas vous mentir et vous faire un discours, si, voilà, un peu idéal de la situation. Nous sommes une entreprise du secteur du numérique et des télécoms. Il en va d'une part de notre enjeu business, d'avoir justement cette capacité de développer des algorithmes, de faire une exploitation de la donnée qui soit responsable, encore une fois, et fiable. Donc, il y a dans un premier temps cet enjeu tout simplement de crédit et d'image de marque de l'entreprise. Je dirais qu'il y a un second enjeu qui est celui de l'attractivité. On parle aujourd'hui de guerre des talents. On a bien compris, et je pense que le marché l'a bien compris de toute façon, il y a quelque chose qui se joue de majeur aujourd'hui autour des métiers de l'intelligence artificielle, et on se bat tous, disons-le, pour avoir ces talents dans nos effectifs et dans nos équipes. Alors juste pour corriger un petit point que citait Christina, aujourd'hui chez Orange, on compte 21% de femmes dans nos métiers de la tech et du numérique, mais nous ambitionnons d'en atteindre au moins 25% à horizon 2025, donc c'est peut-être pour ça. Mais en tout cas, c'est un enjeu majeur. Alors, je vous dis d'une part, parce que c'est un enjeu d'attractivité, je pense qu'aujourd'hui, les jeunes gens qui candidatent et qui ont le bagage pour s'investir dans ces métiers-là, ont le choix, justement, ont ce privilège de pouvoir choisir dans quelle entreprise ils voudront intégrer et développer une carrière. Dans ce cas-là, enfin, charge à nous aussi de montrer qu'ils ont intérêt à venir chez nous parce que nous développons justement une intelligence artificielle inclusive et responsable. Mais ça passe aussi par une diversité des profils. En diversifiant le plus possible ces profils qui travaillent au sein des équipes en charge de l'intelligence artificielle, on contribue de la même manière à limiter et à réduire ces stéréotypes et ces biais potentiels, puisque en étant dans des équipes plurielles, on développe une créativité encore plus importante, mais du coup, on va développer des solutions qui sont à notre image et qui répondent à nos enjeux. Donc, on parlera effectivement de mixité, bien évidemment, mais aussi de personnes en situation de handicap, on parlera de diversité cognitive, on parlera de différence d'âge, des jeunes comme des seniors, etc. Donc, je pense qu'il en va vraiment aujourd'hui de ces sujets d'image d'entreprise, d'attractivité employeur et de capacité d'innovation et de créativité. Merci Néma et je me tourne vers Christina pour avoir également son regard sur la même question. Alors je vais aller évidemment dans le même sens que Naïma qui a donné le point de vue d'Orange. Moi je voudrais dire que nous avons au sein de notre fondation des dizaines d'entreprises maintenant comme Legrand, comme Danone, des PME, on a dans les signataires de la charte, nous avons aussi des universités, des start-up. Donc on a vraiment tout l'écosystème qui est présent et c'est cet effet d'entraînement et d'exemplarité qui va faire qu'on va faire on va pouvoir faire changer les choses. D'où l'importance de développer des outils. Je rappelle que cette charte est totalement gratuite, donc il n'y a pas d'investissement à faire. Et c'est tout le bénéfice pour, évidemment, les signataires de pouvoir participer à cette réflexion commune. Je voudrais aussi dire qu'on n'a pas vraiment le choix, même si je suis peut-être un booster d'énergie positive, je voudrais quand même dire que très rapidement, ce sera peut-être l'apocalypse. Donc, on a intérêt tous et toutes à nous bouger très rapidement et tous ensemble sur les vecteurs les plus vertueux possibles pour faire bouger le système. Si j'avais un message à passer, j'en ai passé beaucoup auprès des pouvoirs publics déjà, mais il ne faut jamais se décourager, c'est de dire qu'il faut véritablement qu'on change de paradigme, que le monde aujourd'hui est un monde de domination, de dominants hommes en général sur d'autres, mais des hommes dominent aussi d'autres hommes. Et Naïma a parlé des problématiques ethniques qui sont extrêmement importantes. Donc, on voit bien que dans ce monde de dominants,
eh bien, nous n'y arrivons plus. Et donc, il faut changer ce système. Et ce sont des entreprises exemplaires, ce sont des gens exemplaires comme vous, Jonathan, comme plein d'autres gens qui sont porteurs de cette parole-là et de ces actions. Et je terminerai peut-être mon propos en parlant du colibri. Nous sommes chacun et chacune des petits colibris, des petits acteurs et des petites actrices de ce changement qu'il faut urgemment mettre en place, parce que les gens qui regardent que leur intérêt de pouvoir ou financier, à un moment donné, ils ne pourront plus rien voir parce qu'il n'y aura plus de monde. Donc, il y a véritablement urgence à se mobiliser et nous sommes une des parties de la solution. Chère Christina, merci pour ce propos et également la vision qui le porte. Nous allons conclure cet échange. En guise de conclusion, je dirais effectivement que aujourd'hui, c'est le jour des choix et des enjeux de demain. Et donc, pour pouvoir les réaliser, les constituer, il faut investir dans notre avenir et le faire dès aujourd'hui. C'est la parabole de l'arbre. Si nous voulons avoir un jour la chance d'avoir des fruits ou d'avoir de l'ombre ou d'avoir de l'oxygène, eh bien, il faut à un moment donné entreprendre de planter cet arbre et puis ensuite de le voir grandir. Eh bien, c'est ce que je ressens en observant cet échange et en l'animant et en observant également donc les enjeux qui ont été abordés de manière extrêmement visionnaire et prospective avec ce partenariat, avec ce label GIS qui a été créé, avec cet engagement courageux et pionnier d'Orange de faire partie effectivement du fonds de dotation de Arborus, et puis donc de ne pas s'arrêter là et de continuer justement à être précurseur sur des enjeux de demain. Je pense qu'il est aussi bon de rappeler, puisque nous sommes sur la thématique de l'IA, que Orange fait partie effectivement de la commission au niveau européen sur les enjeux justement d'intelligence artificielle, et donc que de ce point de vue-là, Orange, avec son partenariat avec Arborus, va pouvoir, et j'imagine le fait évidemment régulièrement, de mettre en avant cet aspect-là au niveau non pas simplement national, mais au niveau européen. Peut-être, Naïma, un petit mot sur ce point-là pour terminer. Alors effectivement, enfin, comme vous le citiez, Jonathan, aujourd'hui, le groupe est présent dans différentes coalitions et institutions, que ce soit tant au niveau européen qu'international. Vous connaissez la GSMA également, autour de l'industrie des mobiles. Et vous parlez probablement de la GNI au niveau européen, où effectivement le GIS AI a été intégré comme une preuve justement de notre démarche vertueuse dans le cadre de la d'une IA responsable, au même titre que la charte, mais une autre démarche aussi, une autre action qui est plus récente, qui a été menée au niveau du groupe, est la mise en place d'un comité stratégique et un comité éthique, pardon, data et IA au niveau du groupe, qui est présidé par notre DG et qui réunit des experts aussi bien du droit que de la recherche, que de la sociologie, externe et interne sur ces sujets justement d'IA éthique et responsable, et dans laquelle nous allons très prochainement d'ailleurs éditer et publier sa lettre d'engagement, dans laquelle elle explique de quelle manière est-ce qu'Orange justement au-delà de la partie inclusion et responsable pose cette question de l'éthique au moment justement du lancement d'un projet, d'une innovation, d'une création, et challenge encore une fois ses équipes en interne au regard justement de ce collectif et de ce cercle d'experts de diverses origines et expertises pour
voilà, se poser la question sur une prospective future et savoir quelles en seront en tout cas potentiellement les échéances, les impacts et les bénéfices et éventuellement risques à envisager autour de chacune de nos actions. Donc réellement aujourd'hui, il y a une mobilisation et à tous les niveaux de décision de l'entreprise autour de ce sujet qui est clé. Écoutez, chère Nema, je me réjouis des prochains échanges et par l'intermédiation de Christina de voir les actions pleines d'espérance et également pleines de bienveillance à l'égard justement de notre écosystème de vie que le groupe Orange saura prendre avec votre rôle en tant que directrice des opérations effectivement prospectives de diversité et d'inclusion. Vous savez, ce sont des mots, le CIGEF a été lancé en 2014 et dès 2014, j'étais déjà sur des thématiques d'inclusion et nous étions sur des thématiques d'inclusion et j'aime pas trop le mot autonomisation, mais en tout cas de woman empowerment et d'impact social à différents égards. Donc pour moi, véritablement, cet échange, c'est de la musique aux oreilles. Christina, peut-être pour terminer, nous savons, Christina, que vous êtes impliquée également sur la prochaine étape qui, après le IA, sera les métaverses. Donc, vous allez probablement amener également la notion d'égalité des genres, également dans la notion, effectivement, de monde virtuel. Donc, ma question serait simplement pour conclure. Quelles sont les prochaines dates? Quelles sont les prochaines échéances? Qu'est-ce qui va être effectivement les prochaines priorités de Arborus dans son partenariat avec Orange, mais aussi plus largement dans vos activités que vous conduisez avec brio? Merci beaucoup. Nos priorités, c'est vraiment l'international. Donc, c'est développer notre label GIS partout sur la planète pour développer cette conscience de la culture de l'égalité au service du développement durable. Nous allons intégrer d'ailleurs dans le label GIS des niveaux supplémentaires qui vont aller dans le sens des ODD. Et puis, sur le métaverse, effectivement, je m'y intéresse à titre tout à fait particulier, mais au nom d'Arborus, bien évidemment, parce que puisqu'il va y avoir des mondes parallèles et des mondes virtuels, il va falloir que l'on s'investisse pour que ces mondes-là ne soient pas comme le monde d'aujourd'hui, le monde réel, mais que ce soit vraiment, si on pouvait avoir cette exemplarité d'un monde merveilleux dans lequel on puisse expérimenter des gouvernances, des nouveaux modèles de société, égalitaire et équilibré et donc, on l'espère, heureux. Ce serait un apport à l'humanité, je pense, qui serait tout à fait important. Eh bien, écoutez, Christina, c'est magnifique. Naïma, vous êtes prête à partir dans les mondes virtuels en plus du monde réel pour amener cet équilibre et cette harmonie ou pas? Moi, je vais pas vous mentir. Alors, évidemment que le métaverse, on s'y intéresse. Hein. Ce serait une erreur que de ne pas le faire. Aujourd'hui, il peut ouvrir, encore une fois, voilà, un champ des possibles extrêmement large. Maintenant, de la même manière que tout ce qui a été dit auparavant, et c'est un petit peu mon job aussi, c'est de s'assurer que ce type d'innovation ne fasse pas la place à des discriminations ou à des inégalités. Et ce qui m'inquiète un peu, je ne vais pas vous mentir, alors nous, il y a un aspect par exemple RH, c'est de se dire, on va ouvrir une boutique Orange dans Métaverse. Oui, mais alors du coup, que deviennent nos vendeurs? Donc, on peut se poser cette question. Donc, il y a une dimension humaine, ressources humaines. Mais il y a aussi une dimension, encore une fois, sociale, j'ai envie de dire, et de dérive, encore une fois. Je ne sais pas si vous avez entendu parler aussi de ce, entre guillemets, fait divers. J'avoue, je ne sais pas trop quel terme employer, du coup, concernant le Métaverse, mais j'ai entendu récemment parler du premier viol qui avait eu lieu dans le Métaverse. Et je trouve que ça donne le tournis, je trouve que c'est extrêmement inquiétant
Et juste pour rebondir sur ce que tu disais, Christina, en espérant que le métaverse puisse nous offrir des choses que l'on n'a pas dans ce monde qui parfois est extrêmement violent et cruel. Et là, on se dit, ben non, voilà, c'est peut-être même pire potentiellement. Donc, d'où l'importance, encore une fois, d'être toujours vigilant. Donc, moi, je pense que ça peut nous offrir, encore une fois, des opportunités incroyables, mais tout en ayant, en gardant en tête, voilà. Et d'où l'importance, je pense, de cette... toujours de ce cadre, de réfléchir à pourquoi on y va, quelles sont les conséquences, les enjeux humains, encore une fois, business et sociétaux de d'une volonté de ce type et d'une initiative de ce type. Donc, bien évidemment qu'on a des équipes dont c'est le job aujourd'hui, hein, d'évaluer justement ce potentiel. Mais voilà, notre rôle aussi, c'est de dire soyez vigilants, en tout cas, à ces éléments-là. Mais le métaverse, et comme d'autres, je pense, encore une fois, innovation à venir, voilà, sont la preuve, encore une fois, de cette innovation sans limite. Bien, écoutez, chère Naïma, je me réjouis des échanges futurs et je suis sûr que Christina saura identifier les vecteurs dans les mondes virtuels pour pouvoir effectivement amener... le prolongement des actions qui sont menées, encore une fois, de façon quotidienne et régulière, dans la durée, au service d'une harmonie et d'un équilibre et d'une égalité entre les femmes et les hommes, ici-bas dans ce monde-ci, dans le monde réel. Voilà. Je vous remercie pour cet échange. Je vais maintenant switcher en anglais. Dear friends, it was a pleasure, you know, like to share this session. Was truly inspiring. We really benefited from very concrete and inspirational approach and initiatives at the level of partnership between Arborus Foundation and Orange Group. That's really, you know, like a source of concrete steps that can set up a dynamic and an engine for adoption of the highest standards of respect of gender equality at a Sustainable Development Goals level. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Thanks a lot. Et à très bientôt pour les prochaines éditions et les prochains échanges dans le cadre de nos actions au service de la durabilité, des innovations sociales et de l'éthique au niveau mondial. Merci à vous. Merci. Merci, Jonathan. Merci.